Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous proposer un Do-In, un automassage issu de la médecine traditionnelle chinoise qui va vous permettre d'équilibrer d'un point de vue énergétique tout votre corps et repérer les zones de tension. On parle en ce moment beaucoup, on finit nos phrases par prenez soin de vous, et bien je crois que c'est le moment d'en profiter. Alors la technique est très simple, il suffit de faire des pressions le long des méridiens d'acupuncture avec les mains, les doigts, vous allez voir c'est assez simple. On commence par se chauffer les mains pour faire venir l'énergie et la chaleur et nous allons faire des pressions de la tête aux pieds. On commence par le crâne en faisant avec la pulpe des doigts des petits tapotements sur tout le crâne. Puis, assez fortement, nous allons essayer de décoller le cuir chevelu, faire un auto-massage en essayant de passer sur toutes les zones. Si vous repérez un endroit un petit peu plus douloureux, il est judicieux d'y rester et de maintenir la pression ou le massage pour évacuer la tension. Ensuite, avec les doigts, nous pouvons étirer toute la zone du front, partant du milieu jusqu'aux tempes et justement sur les tempes légèrement. Nous pouvons finir en faisant des rotations. Puis, comme pour le yoga des yeux, faire des pressions sur toutes les crêtes autour de l'œil. Puis à la base du nez, au-dessus des lèvres, dessous des lèvres, puis masser, presser tout le long du menton jusqu'aux oreilles, pour finir en pressant et en s'étirant les oreilles vers l'arrière, vers le haut, éventuellement entre les doigts, pour essayer de décoller, comme pour le cuir chevelu, toutes les zones. Même chose, si vous ressentez des tensions au niveau des maxillaires, vous pouvez rester dessus. Puis, avec vos doigts, comme ceci, on peut essayer de masser toute la zone arrière, à la base du crâne, où il y a la racine des cheveux. Ici, souvent, il y a des zones de tension, des points de tension. On peut les faire avec les doigts comme ça, ou avec les pouces derrière. Insister sur les points douloureux. Puis des pinces avec la main sur le cou. Puis en croisant avec ma main droite sur l'épaule gauche, masser toute la zone de l'épaule, du trapèze. Ici généralement, on ressent des tensions. Peut-être finir en appuyant en plein milieu de l'épaule. Ici, peut-être en appuyant et essayant de trouver un point assez sensible d'une manière générale. Évidemment, avec la main gauche, on peut faire toute la zone de l'épaule droite. On peut venir descendre jusqu'au biceps, triceps, remonter. Là, ce sont des bonnes pinces. Puis, essayez de trouver le trou, ici, qui est souvent douloureux, en plein milieu de l'épaule. Alors, pas trop devant, sinon vous tombez sur la clavicule. Pas trop en arrière, sinon vous tombez sur l'omoplate. Vraiment en plein milieu, à la vertèbre. Et si le point est douloureux, on peut insister. Puis tapoter surtout le sternum, une zone fortement irritée. Puis continuer sur des bonnes pressions au niveau du bras, à l'intérieur, avec la paume de la main. Et tapoter sur le repos. Pression avec la paume de la main. Puis tapoter sur le repos. En finissant par bien étirer, bien pincer, bien allonger les doigts pour enlever toutes les tensions. Même chose avec l'autre bras, des bonnes pressions avec la paume de la main et on tapote sur l'extérieur. Pression et on tapote sur l'extérieur. Pour finir sur des pressions glissées en étirant tous les doigts. On peut finir en faisant quelques étirements au niveau des avant-bras. Puis deux zones importantes qui sont les lignes du poignet. Ici, ce qu'on appelle la barrière de l'angoisse, qui
qui peuvent stopper les angoisses. Donc on masse bien fortement avec le pouce sur toute la largeur du poignet, sur les plis, puis l'autre côté. Barrière de l'angoisse. Nous étions arrivés juste avant sur le tapis vache et la poitrine. On va éviter de faire la zone du ventre. Par contre, entre le nombril et la pointe du sternum, entre les deux se trouve l'estomac. Souvent, c'est un point un petit peu sensible, donc on peut, avec l'aide de la respiration, essayer d'aller chercher ce point pour le libérer. On peut inspirer. Et dans l'expiration, on peut enfoncer ses doigts en se penchant légèrement vers l'avant. On inspire, on relâche la pression. On peut remonter légèrement pour aller sur le diaphragme. Et dans l'expiration, enfoncer les doigts et se pencher vers l'avant. Vous pouvez faire cette pression autant de fois que vous voulez. À partir du moment où ça devient excès douloureux, vous pouvez insister un petit peu. Puis nous allons claquer les doigts derrière sur les zones lombaires, zone du rein, qui est ici une zone qui va dynamiser. Il suffit de faire comme ça sur la zone du rein. Puisque nous avons fait sur les bras, nous allons faire la même chose au niveau des jambes. Donc nous pouvons faire soit les deux en même temps, soit une seule, des bonnes pressions en remontant sur l'extérieur. Pression plutôt à l'intérieur, tapoter sur l'extérieur. Même chose à droite. Comme nous avons fait pour les mains, nous allons faire la même chose pour les pieds. Donc, dessous les pieds, essayez de trouver des lignes qui vont permettre d'équilibrer et de détendre le dessous des pieds. Donc, il suffit avec son pouce de longer jusqu'aux orteils en faisant une bonne pression. Il est possible que là, vous trouviez des zones de tension, des points de tension. On s'arrête dessus, on peut masser. Puis éventuellement, comme on a fait pour les doigts, étirer chaque orteil. Faire l'autre jambe, l'autre pied, des bonnes pressions glissées jusqu'aux orteils. Puis étirer chaque orteil. Donc voilà, globalement, en étant très succinct, la capacité à faire un do-in, un automassage, à faire une fois par jour si vous avez le temps, une fois par semaine si vous avez le temps, en sachant qu'on essaye d'y mettre aussi une petite respiration pour vous détendre. Donc on va finir en se réchauffant les mains et finir comme on a fait pour le yoga des yeux sur la vidéo numéro 1, les apposer sur les yeux et travailler sur une fréquence de respiration, de cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Les yeux sont fermés, on appose délicatement la paume des mains et on inspire. Et on expire. Voilà, prenez soin de vous.